route, c'est l'idée du chemin de traverse, de l'issue de sortie. Tous impactés par la période actuelle. Non seulement elle nous atteint dans nos santé, dans nos manières de vivre, dans nos manières d'être, dans notre liberté, jusqu'à la liberté intime par rapport aux conditions qu'on nous impose et aussi par rapport à celles qu'on s'impose tout seul quand on est dans une période où une angoisse arrive. Alors Ways Out, c'est un petit peu une sorte de réponse que j'ai voulu poétique, chercher des issues, des chemins de sortie par rapport à cette époque qui nous met des choses sur la tête et où est-ce qu'on peut trouver du positif. Et en ce qui me concerne, je suis musicien, donc je le trouve dans la musique et dans l'imaginaire qu'elle suppose. Pourquoi Daniel Herman, Régis Subi, Christophe Marguet, Rémi Charmasson? Parce qu'au-delà de leur merveilleuse qualité de musicien, c'est avant tout des extraordinaires raconteurs d'histoire. Et c'est des gens qui ont une personnalité et un imaginaire très fort et qui sont eux aussi, malgré cette époque, résolument tournés vers quelque chose de positif et malgré tout d'optimiste. Alors cette musique a fait l'objet d'un enregistrement, on est hyper content de le présenter ici au Triton. C'est quelque chose qui n'est pas conçu comme un one-shot, c'est quelque chose que je veux promouvoir avec les amis qui ont eu la gentillesse de m'accompagner sur ce projet. Il y a une sortie officielle qui aura lieu en avril, mais surtout ce qu'on compte faire, c'est quelque chose qui perdure dans le temps. L'optimisme dont je vous parlais tout à l'heure, c'est quelque chose qui nous est vraiment absolument chevillé au corps et qu'on a envie de pouvoir un petit peu transmettre. Et donc pour ça, il faut promouvoir cette musique qui en est le vecteur et le porteur de messages et essayer évidemment de le perdurer dans le temps. Parce que la musique, c'est comme le vin, plus ça vieillit, mieux ça mûrit. Thank you.